C'est ça, c'est un hommage aussi. Ensuite, il y a aussi le prince Albert qui a accepté d'être parrain de cette édition-ci. Donc, si le prince Albert, qui a un rang de chef d'État, accepte d'être le parrain d'un festival d'un pays en développement, comme le Sénégal, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne dis pas au Sénégal, mais à Saint-Louis. C'est important, Saint-Louis. Voilà, donc s'il n'est pas là, il va se représenter le consul de Monaco au Sénégal. Donc c'est l'avocat Guedel Ndiaye qui va venir représenter le vendredi. Le président Diagne a levé, a agité le Sénégal, ses amis et tout. Donc et vraiment, les nationaux ont été à la pointe du combat sur le plan financier. D'abord, évidemment, il y a nos partenaires traditionnels, tels que la BICIS, traditionnelle, la BICIS, la BNP Paribas, qui viennent en concours. Mais d'abord, il faut signaler que c'est d'abord le chef de l'État, qui n'a pas attendu le démarrage des activités pour envoyer son enveloppe. Nous l'avons reçue il y a 5 ou 6 jours, et c'est le même montant que l'année dernière. C'est important.